Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne préférée Afrique et Vie. Aujourd'hui on s'étape pour une nouvelle partie d'information, notamment du côté du Niger, où nous avons le fils de Mohamed Bazoum qui a été libéré. Salam Mohamed Bazoum, fils de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, a bénéficié d'une remise en liberté provisoire ce 8 janvier 2024. Il était détenu aux côtés de son père depuis le putsch du 26 juillet dernier. Salam Mohamed Bazoum n'est plus retenu prisonnier dans l'enceinte du palais présidentiel de Niamey ce lundi 8 janvier 2024. Le fils de l'ancien président Mohamed Bazoum et de l'ex-première dame Hadiza Bazoum qui restaient quant à eux détenus sous la surveillance de leur ancien garde présidentiel a bénéficié d'une autorisation de mise en liberté provisoire du tribunal militaire de Niamey. Et bien les amis, telle est la situation qui est présentée du côté du Niger, car ça vient de semer une joie terrible du côté pour certains habitants bien précisés de la population du Niger. Et bien les amis, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de la situation présente du côté du Niger. Dites-nous en commentaire si vous êtes heureux comme le sont d'autres Nigériens du côté du Niger. Et bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge si tu as de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. À très bientôt les amis. Bye bye.